Qu'est-ce que vous faisiez toute seule en pleine nuit? Je marchais. Alors c'est quoi cette histoire d'enfant? Je vous en prie, madame, laissez-moi retourner là-bas. Je l'ai laissée toute seule, il y a 4 ans. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a un enfant? T'as pas de preuves? Je voudrais un peu de temps pour vérifier. Ton père appelait ça ton virus. Tu passais tes journées à faire des enquêtes. Cela dit, c'était pas un problème. De quoi? Tu sois une flic? On ne saute pas d'un toit comme ça sans raison, surtout quand on a un enfant. Elle n'avait pas d'enfant, le gars. Et lui? Lui, c'est Ilan, c'est mon fils. C'est les dérives qui nous chagrinaient. Des dérives, hein, des flics. Une pute qui s'est suicidée, on va pas y passer 10 ans quand même. Ouais, t'as raison, on s'en vaut pas la peine. Puis l'enfant, là non plus, faut rien faire. C'est la jeune fille qui s'est tuée au 19. Vous l'avez peut-être vue de votre fenêtre? Non, je dormais. Un enfant sans papier, ça va pas loin. C'est votre travail, ça. Traquer les gens qui n'ont pas de papier pour les mettre dehors. Ils sont venus y chercher Ilan. Je veux retrouver ces types. Vous là-bas, ça va pas, non? Dangereux ici. Je voudrais vous parler. Désolé de pas pouvoir vous aider. Rien vu, rien entendu, chacun sa merde, c'est ça? Ilan? Faut pas que vous restiez au camping. J'ai peur qu'ils s'en prennent à l'enfant, il faut le protéger, hein. Vous lâchez mon fils, vous lui faites peur, merde! Écoute-moi pour une fois, tu vas finir par te foutre dans la merde. Il est où le dossier? Ça va pas, non? Tu te crois où, là? Vous lâchez jamais prise, vous, hein?